bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. Ce matin, on va regarder le thème du jour, participant de la nature divine. On va voir ce que ça veut dire dans quelques instants. On va regarder dans 2 Pierre, chapitre 1. Alors, dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville, et envoyez-moi surtout vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant, The Blessing. Chant exceptionnellement magnifique qui a fait le tour de la planète francophone et anglophone. Alors on y va ensemble. Chapeau pour les paroles de ce matin. N'oubliez pas de m'envoyer vos sujets de prière, je l'ai sûrement mentionné. Mais c'est tellement important. Merci. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, ensemble. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa présence environne avec toi, à tes côtés, que le tinon est entouré, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. De sa nature divine. On regarde dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Nous sommes tous d'accord sur le fait que
Jésus est notre ultime sauveur et nous transforme. Il a accompli des choses extraordinaires déjà dans nos vies et il désire en accomplir d'autres. Alors pourquoi nous ne lui faisons pas confiance dans nos moments de turbulence? Relisez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, il nous a donné de devenir participant de la nature divine. Ce n'est pas rien, ça. Il nous réserve de précieuses et grandes promesses. Bon, il faut réaliser que du début, dans le jardin d'Éden, Dieu désirait que nous soyons comme lui. Souvenons-nous que Dieu avait mis l'arbre de vie dans ce jardin volontairement, non pour qu'Adam et Ève le prennent de force, bien sûr, mais cette nature divine, nous pouvions l'avoir seulement si nous restions sans péché. C'est nous qui avons choisi de pécher, pas Dieu. Dieu avait tout pourvu. Maintenant, cette nature divine, nous pouvons toujours l'avoir, mais au travers la porte d'entrée vers le ciel, Jésus, le chemin, la vie, la vérité. Un jour, lorsque nous ressusciterons, nous revêtirons ce corps glorifié qui, en fait, nous aurions dû garder du début. Mais nous avons raté la cible et Jésus a dû venir nous reconnecter à Dieu en venant payer le prix de notre rédemption. Et comme le dit notre texte ce matin, Dieu nous a donné de devenir participants de sa nature divine. Participant de sa nature divine. Et pour cela, il faut maintenant passer par Jésus. Monsieur Garrett Tyson le disait comme ceci: lorsque nous sommes devenus chrétiens et que nous avons été unis à Christ, Dieu nous a élevés avec Christ et nous a fait asseoir dans le royaume des cieux avec lui en Jésus. Nous sommes intronisés avec Jésus dans les cieux. Nous avons autorité sur toutes les autorités, les pouvoirs sur les dominations en Christ. C'est une réalité actuelle si nous avons la compréhension pour le réaliser et la foi pour la revendiquer. Nous avons repris la position dans le monde pour laquelle Dieu nous avait créés à l'origine. Comment ça? Eh bien, lisons ce texte ce matin dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alors comprenons que Dieu est attentif à chacun de nous. Il s'occupe de nous. Il veut notre bien, il nous aide, il nous a créés. Pourquoi? Pour régner sur tout. Et la cerise sur le gâteau est que nous sommes maintenant participants de sa nature divine en Jésus. Pas merveilleux ça? Comme on dit, c'est pas beautiful? Alors, participants de sa nature divine, c'est ce que nous sommes maintenant lorsque nous donnons notre cœur à Jésus. Alors, prions pour les besoins de ce matin. Yes. Seigneur, nous prions pour Marie-Françoise afin que tu la guérisses de la polyarthrite rhumatoïde. Merci de faire disparaître cette polyarthrite-là complètement et entièrement. Nous prions pour Mélanie et Patricia. Prions afin qu'elles puissent trouver des compagnons de vie, des hommes de Dieu qui vont partager leur vie avec elles. Prions pour Louisa qui a fait 2 AVC. Merci de la restaurer complètement et entièrement. Et merci, Seigneur, d'enlever toutes conséquences graves à ces AVC. Prions pour Marilyn pour la restauration de son couple. Merci d'intervenir surnaturellement dans ce couple. Nous prions pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Merci de les guérir, de les restaurer, de les relever, de les fortifier. Merci pour ceux qui ont... pour ces hommes qui ont un cancer de la prostate, Seigneur, merci de les guérir, merci de les relever,
Merci, Seigneur, d'enlever toute trace de cancer. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin qui ont un cancer quelconque dans leur corps, de les relever, de les fortifier, de les guérir. Pour ceux et celles qui peuvent, qui doivent subir cette maladie du Parkinson également, de les guérir, de les relever, de les restaurer. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce jour que tu as créé, pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour au nom de Jésus. Le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais aujourd'hui était la 900e matinale que nous sommes ensemble. 900e matinale aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Soyez bénis. Est-ce qu'on s'enligne pour 1000? Peut-être, Dieu voulant. Demain matin, en tout cas, Dieu voulant, on est ensemble. Soyez bénis.